Malheureusement, et à la suite du départ des troupes américaines de l'Irak, c'est-à-dire de la passation de la responsabilité de la protection des résistants iraniens en Irak est passée au gouvernement irakien, nos frères des Moudjahidines du peuple résidant à Ashraf ont été l'objet d'une pression de tous les jours, de tous les jours, ponctuée par de furieuses agressions militaires qui ont coûté des dizaines et des dizaines de morts et des centaines et des centaines de blessés. En juillet 2009, à la suite de la mascarade qui a eu à Téhéran sur les élections, en avril 2011, le 9 février 2013, des roquettes ont été lancées au nombre de 70, faisant plus d'une dizaine de morts, et encore des roquettes. Plus la résistance iranienne engrange des succès, plus elle est exposée aux agressions d'un pouvoir politique de Téhéran moribond. Car la communauté internationale s'est émue devant ce qui se passe à Ashraf et devant la menace contre les habitants d'Ashraf et du camp Liberté. Le silence ou l'inaction devant ce qui est un risque de crime, de désastre humanitaire correspond à une triple faute. Une triple faute sur le plan d'abord légal, parce que de par des accords internationaux entre l'ONU, les États-Unis d'Amérique, le HCR, le gouvernement irakien, les habitants d'Ashraf devaient être protégés. Or, ils sont réunis maintenant dans un camp de concentration et ils sont exposés quotidiennement à une tentative réelle d'éradication. La deuxième faute est à caractère politique, car ce que fait le régime des Mollahs en attaquant les habitants d'Ashraf, il est en train de défier la communauté internationale et il est en train de défier notamment la puissance la plus grande, c'est-à-dire l'administration américaine. Et l'administration américaine, faute de réagir vigoureusement et faute de faire le nécessaire pour assurer une protection absolue à ses habitants, elle est en train d'apparaître comme étant cédée ou se mettre à genoux devant le défi des Mollahs. Et ceci n'est pas sans conséquence sur la crédibilité des États-Unis d'Amérique dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la région. Ashraf est un projet emblématique. Ashraf n'est pas seulement emblématique de la résistance iranienne, elle est aussi emblématique de la concrétisation du programme que se fixe un pays quand demain l'Iran recouvrera sa souveraineté et sa liberté. Et c'est pour ça que je demande à tous les amis européens, occidentaux, à tous les amis arabes et musulmans de répandre cette véritable image de la résistance iranienne qui malheureusement est souvent très déformée. La réalité de l'image de la résistance iranienne, vous la trouvez inscrite dans la réalité d'Ashraf. Et c'est pour ça que le régime des Mollahs, veut éradiquer la Ashraf.